très content déjà de cette reprise parce que beaucoup de joueurs répondent présents. Donc on a déjà un joli groupe qui se prépare. Donc ça a des bons prémices pour cette saison qui s'annonce dure et compliquée. Un groupe constant, quelques nouvelles recrues par rapport à l'an dernier, très peu de départs. Donc franchement, un club qui vit bien. Les objectifs, c'est déjà de se qualifier, de jouer le haut de tableau. Voilà, l'année dernière, on a échoué en barrage. On aimerait éviter les barrages cette année et se qualifier directement. Et puis après, bah, ça sera en fonction aussi de la performance de l'équipe, des blessés. L'année dernière, on a eu beaucoup de blessés. J'espère qu'on en aura beaucoup moins cette année. Et puis, bah, on espère faire un meilleur début de saison parce que finalement, l'année dernière, c'est le début de saison qui a pêché. On va dire que cette fois-ci, on veut que ce soit les recrues qui s'adaptent au style de jeu et que vraiment le groupe soit plus fort que les individualités. Donc voilà, l'objectif, il est clair pour tout le monde. C'est vraiment que très rapidement, ben, tout le monde prenne ses marques au sein du club pour être à l'aise. Et voilà, il n'y a pas de recrues. On veut vraiment vite créer cette dynamique pour être prêt dès le début de saison, contrairement à la saison passée qui nous a coûté très cher tout au long de l'année. Je viens d'arriver cette année là, donc tout se passe bien. Moi, ça fait 3 semaines qu'on a repris. Très content d'être allé à Aix-les-Bains et il y a un super groupe, quoi, c'est cool. 2 ans que j'ai arrêté le rugby, j'ai fait 3 ans à Annecy, les 3 dernières saisons à Annecy. Après j'ai arrêté 2 ans et là du coup retour au club à Aix-les-Bains, club auquel j'ai joué depuis que je suis tout petit. Voilà. J'étais à Rumilly et puis choix de carrière a fait que Aix-les-Bains m'a contacté et le projet m'a plu. Et au final, je suis très content d'avoir intégré ce groupe. Ça bosse, c'est jeune, c'est ce qu'il me fallait. Quoi. Bah, j'ai pas encore vu tout le monde. Ouais, j'ai vu le gros noyau, on va dire. C'est cool, il y a l'air d'avoir un bon groupe, c'est bien. Donc c'est bien, ouais, je suis bien content de partager un peu ces moments avec eux. Donc j'espère que ça sera de bon augure pour la saison. Depuis début août, on a repris sur 3 entraînements semaine, avec le mercredi qui est consacré exclusivement au physique, mais toujours en lien par rapport au projet de jeu défini par le staff. Mais on s'accorde vraiment une séance entièrement sur du physique plutôt que de grignoter des bouts d'entraînement, et on consacre le reste du temps au rugby. On sent un engouement cette année qui est complètement différent de l'année dernière. On a ce soir, par exemple, on a 52 joueurs qui vont être présents. Donc pour un mois d'août, c'est plutôt bien, sachant qu'il y a encore des joueurs qui sont en vacances. Donc on va monter certainement à 60-65 joueurs. Quoi. Le club évolue à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau structure, puisque aujourd'hui on a 6 alternants qui nous rejoignent, en communication, avec les jeunes. Donc effectivement le club se structure à tous les niveaux. Des nouveaux partenaires qui nous rejoignent aussi, ça c'est très important. Une grosse journée le 10 septembre sur le stade avec le match contre Ensilvieu, où là on va faire un petit peu la fête du rugby et du club. Donc on invite tous les gens qui veulent venir nous rencontrer. Ce jour-là, on va faire un barbecue géant avec un match amical des équipes seniors. Donc une belle journée en perspective. Effectivement, le club aujourd'hui est sur les bons rails, était déjà sur les rails, et aujourd'hui il est sur les très bons rails.